Ekomitango to solola mai matali mboka na biso République démocratique du Congo, une affaire d'État, votre émission mana kanabino na kombo ya masolo ya mboka ya mokolo ya lelo yango ebandi toloba ki ete mokolo ya lelo tokozana mo ba édition ebele parce que actualité pe ezali bongo makasi, mais pona lelo nous n'aurons que deux dossiers essentiels oyo tokosolola lelo ba dossier yango etali penza penza. Boni boni mboka na biso ezali kotambola lelo, bomonaki na journée à lelo ezalaki mokolo monene mpona ba parti politique, plus de 500 partis politiques ba se retrouva ki bongo na lisanga ya motope pa ebeta makana stade de martyr et pa ewa pi ezalaki sortie officielle ya plateforme politique pe électorale tout autour ya mokonzi ya mboka na kombo ya Union Sacrée de la Nation. Fils mokoko alobaki ete lelo bako redémarrer politique congolaise. Est-ce que yango nde esalemi? Bandeko mosusu pe balobi oyo bakoki koloba, mais tokosala banalyse ndenge masolo yango esili bongo kosalema. Wana ekozala dossier ya liboso po banungunungu mo eza mo ebele. On nous parle de 16 millions, 15 millions et tout et tout, misolo ebimi ebimi na cotisation ba parti politique ebimi na caisse à l'État, on ne sait pas. Ils ont les informations et yokani tokosala bongo ba analyse. Deuxième dossier pe ya mutuya etali bongo sécurité na est ya République. Je vous informe que aussitôt démissionné, aussitôt on a nommé notre commandant Oyo Azali ko s'occuper na ba force ya EAC. Jeff Niaga o asili bongo ko démissionné, le Kenyan alobi ete imbroglio tope ko yokanate ezali na kati ya mission Oyo pona ko résoudre problème ya sécurité. Qu'est-ce qui a été signé accord nini salemaki entre EAC pe mboka na biso République démocratique du Congo? Et pas il y a autorité à Mboka, autour de ça, la confiance. Bango baloba qui n'a pas été force à EAC, basali koya, pona koya en appui na FRDC, na tina été ba bengana, banguna, ou ezali bongo ba M23. Yangonde, Patrick Mouyaya, ministre de la formation, a cela qui n'a pas communiqué, c'est-à-dire, ba yaki na mission, mou ezala ki bongo offensive, ba tonon so ba yebi, mais ko koma na bango na terrain, nous avons constaté, ba yaki nde, mission na bango ezalaki d'interposition, c'est-à-dire ba koti na katikati o bato mosusu boye ba zone neutre, ba zone tampon. C'est ce qu'on a constaté. Et puis peuple congolais azali vigilant, il y a parti est pa yopi ki mi azali te ba sepeli na bango te na présence ya EAC, ya force ya EAC. Encore une fois, na ebisaki bino te la fois dernière était esengala ki kotala penza likambo malamu malamu. Pourquoi? Parce que force baye bako sala mosala sengelite ni ne sengela biso ko sala pour que bako ko zonga na mboka na bango to continue makamba biso. Là aussi il y a un autre problème. Qu'est-ce qui a été réellement signé aussi, c'est un autre problème. Boye bien été sengela ki le 30 mars baye balbongo na ko évaluer o ezali mosala ya force o na République démocratique du Congo, mais cette réunion a été bafouée boye sala makite rendez-vous mosusu entre ba ministre de la défense et ba mboka Oyo ezala ki renvoyé sinedi, c'est-à-dire date yebanite mokolo moko kaka barokutana et comme moi flou makambo. Donc on va parler de la sortie de l'Union Sacrée Salemi Lelo officiellement, et puis tokubeta masolo ya démission ya Jeff Niaga o ezala ki bongo commandant ya ba force ya EAC. Tokosolo yango na nani to bengisi mwana mboka moko ya zali analyste politique, mais domaine aide de prédilection ezali bongo sécurité, parce que faut tolobela non économie. Économie, excusez-moi, ezali économie. Pourquoi vous trouvez l'économie? Parce que dès qu'on a vu son ancien président Yasseni, il y a Tatoli Boué, Corneille Nanga, alors bien était crise sécuritaire, la RDC Ezali aiguë. Alors bien, processus électoral Ezali non viable. Alors bien, sur cette situation sociale Ezali explosive. Bref, alors bien était la nation, la RDC est en danger. Et voilà Ezali va proposer à Corneille Nanga, Ngaïté. Honorable Jacques Drouman, mbote na boye malamu. Mbote ndeko brat. Mbote na ba ndeko yonso ba kolanda biso na ngonga oyo. Et puis mbote na ba oyo ba kolanda biso peut-être na ba ngonga mosusu tango ba kosala rediffusion. Très bien, monsieur. Alors, osayela ki biso tableau
y a situation économique pour aller économiste de formation. Oyo ezala ki bongo tout ça le une semaine ezala ki samedi dernier tableau oyo talisa ki biso ezala ki penza tableau moko elengi penza te parce que courbe ezala ki priming ko kita ke ko mat. Est-ce que une semaine après na ba piste de solution proposa ki est-ce que batia ngo na misala est-ce que situation économique ya mboka na biso est s'améliorer toboni. Merci beaucoup Ndeko Brad. Je pense que ba congolais ba ko vivre na kati ya Congo ba komona que la situation ne s'améliore pas. La situation est que les gens ne sont pas en train de se faire. Bref, la situation socio-économique à RDC actuellement est très, très, très délicate. Vraiment délicate. Donc, quand Corneille Nangaa a dit que la nation est en danger, pour vous, il a raison. Mais cette nation est en danger depuis un certain moment. La preuve en est que le pays qui, dans son espace tel que légué par la colonisation, comptait 2 345 000 km². Aujourd'hui, une partie à Mboka, à Maboko, il y a Banguna. Aujourd'hui, le gouvernement de la République ne sait pas exercer l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République. C'est déjà un problème, voyez-vous. Et comme si cela ne suffit pas, beaucoup de gens ont une déclaration et qu'ils ont une déclaration et qu'ils ont une déclaration. Donc, il y a un Kenya, en l'occurrence, où le ministre des Affaires étrangères a lobby de manière claire, sans embâche, sans passer par les dos de la cuillère, que Bango Bakolongwana RDC, les jours où le gouvernement a RDC à s'entendre dans M23. Quelle déclaration! Tangoto Koyo Kaketata Mokonza lobby, pas de négociation avec le M23. Mais au même moment, Bato to bengisaki o tata mokonza bengisaki balobi to kolongwa na Congo te tant que gouvernement ekosolola M23 te. Je pense que Moutoyon soit à réfléchir ça ka aza ko se rendre compte qu'effectivement il y a un problème très sérieux. Ce problème voudrait dire en d'autres termes que il faut biso moko to memelango ba réponse. Pour to mema ba réponse et ko senga kende to loba ki depuis la nuit des temps nous n'avons jamais cessé de les dire. Que les forces étrangères tendent à faire comme ma paix na kati ya RDC. Nous avons vu la MONUSCO ici. Et d'ailleurs, la MONUSCO a jusqu'à présent, na ba coin wana, 20 ans durant, avec un budget de plus d'autant de milliards, boyebi. Ils n'ont jamais abouti à une solution, à la paix na est de la République. C'est comme si cela ne suffisait pas. Tu connais ce qu'on mutualisait ma force na biso na ba Ougandais. Les Ougandais, oyobo yebi, ba Bunda, na ba Rwandais, na Katia Kisangani, et il y a tout un cimetière qui existe, ba mort bazawana, à la suite yabitouma na bango. Tu bossa ni histoire, tu mutualisais ma force, croyant que les Ougandais allaient apporter la paix à l'Est. On se rend compte que la situation ne fait que s'empirer. Et l'M23, où il y a sur le territoire, tu y habites en Azouaki, territoire à Liboso, Azouaki, Zabunagana, Azouaki appuyé par les Ougandais. Vous voyez, ils sont passés par l'Ouganda pour frapper nos forces par les dos à travers et pour que Baboto la vie soit un 23. Mais curieusement, c'est avec le même Ouganda on est allé s'embrasser. On est allé mutualiser des forces pensant que ça allait résoudre les problèmes. Cela n'a pas suffi. Cela n'a pas suffi. Nous avons dit que la seule façon de résoudre les problèmes, c'est de permettre à notre armée de monter en puissance en lui dotant des moyens, les moyens matériels, les moyens financiers et les moyens humains. Nous devons faire la guerre. Nous ne cesserons jamais de le dire. Nous n'aurons la paix que le jour où nous allons intérioriser le fait que la République démocratique du Congo devra se préparer ou doit faire la guerre chaque jour. Sinon, l'aventure est de vivre. M23 bandit. On va parler seulement du M23. Vous vous souvenez de l'histoire de Kounda Batouare?
Vous vous souvenez de l'histoire de d'autres Rwandais là qu'on appelait Bosco Ntaganda. Et puis ils sont nombreux. Ouais. Donc vous voyez que chaque 5 ans, chaque 4 ans, on nous crée un autre mouvement, un mouvement. Si le premier mouvement, s'essouffle, on crée un autre mouvement. Et ainsi de suite, ils vont continuer à créer des mouvements comme ça tant qu'ils se rendront compte que du point de vue militaire, nous restons le ventre mou de la région. C'est comme ça que nous avons dit, nous devons prendre conscience. Même les intellectuels congolais, même si on ne veut pas les consulter, parce qu'à un certain moment, on doit arrêter d'être gouverné par des personnes qui ne pensent qu'à leur tube digestif, qui ne se projettent pas demain, qui ne se disent pas, mais tiens, c'est bien beau, moi j'ai gagné l'argent, mais demain ce pays deviendra quoi si toutes ces personnes-là, tous ces mouvements-là, tous ces pays qui convoitent la République, baboto le biso yango. Voyez-vous, à un certain moment, il faut qu'on réfléchisse, qu'on se dise, tiens, ça doit s'arrêter. Donc, la seule et l'unique façon de mettre un terme à cette aventure qui a duré déjà plus de 15 ans, plus de 20 ans, c'est de préparer une armée dissuasive capable de faire la guerre au quotidien. Et c'est seulement de cette manière-là que tous ces pays-là, tous ces minuscules pays vont nous respecter du temps de Mobutu. On nous respectait pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on aimait Mobutu. Ce n'est pas parce qu'on aimait les Aïrois de l'époque. Mais parce qu'on se disait que Mobutu avait une armée de dissuasion. C'est comme ça qu'on était respecté. Alors, si nous voulons être respectés demain, nous devons nous inspirer du côté positif de M. Mobutu, fait maréchal Mobutu, paix à son âme. Nous devons nous inspirer du côté positif. Le côté positif, c'est quoi? C'est remettre en selle notre armée en lui donnant des moyens matériels, humains et financiers. Au lieu d'apprendre que on aurait sorti 16 millions pour acheter des consciences afin de les emmener au stade pour soutenir le régime. Non! Très bien. Si on en fait des choses comme ça, c'est regrettable parce que de tels moyens devraient être mobilisés pour soutenir nos forces armées afin que, pas qu'on puisse bouter hors de nos territoires tous ces étrangers qui convoitent, qui envient la terre de nos ancêtres, qui est le Congo? Très bien. Qui est le Congo? La terre de nos ancêtres, Congo et Zali, bien commun. Il y a ba Congolais, Nyonso, nous avons tous le même droit. Voilà pourquoi l'émission Masolo et Mboka, tout peut être opportunité, un des Nyonso, ou Azali Congolais, Azali n'a droit, il y a qu'on placer un mot sur la gestion de la République démocratique du Congo. Et Zali, le rôle à tout ça, ben, à Libota Moko. Ndekomoko ya biso ya libota azali kokamba lopango epai ba locataire bazali esengeli misolo wana lokola tozali na ba droit moko tozali biso ba kiteni ya Congo tozwaka yango ezalaka réparti d'une manière équitable, c'est-à-dire moto na moto azwaka parti na ye. Alors ezali makambo mboka, pourquoi pas tout le bien dossier ali boso tango koti déjà lobi bien koti yango na conditionnel 15 16 millions et tout, ça reste à vérifier. Tous en bas, mon stade des martyrs. Et pas y'a pas l'élo, tout ce solo-là. Bandeko Bazala qui n'a tango, information Pesamaki, communiquer les cas qui, tapage Zalaki un peu partout. Vous avez affiché Zalaki, panneau et kitaki, drapeau et tamboli n'a tango l'élo tout autour à stade des martyrs. Et Zalaki bongo, sortie officielle, il y a Union sacrée de la nation. L'élo yo, ils ont reconnu à tout le monde, ils ont une plateforme politique et électorale. Mon quoi objectif? Accompagner mon konzambo qui a fait 130 Tshisekedi à Zouali Soussou deuxième mandat. Oyo kinere makamboleki, o talinere makamboleki, sortie officielle, oyo, yo lecture nino sali tout autour na yango. Merci beaucoup de comprendre, Narobandeli Soussou. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui ne toko loba que l'union sacrée a existé pour te parler de la sortie officielle. Na. Pendant tout ce temps, tant que divorce na bango salamina FCC, on avait créé déjà l'union sacrée. On a même formé un gouvernement autour de cette union sacrée. Jusque-là, c'était quoi? Une sortie officieuse. Maintenant, des communes officielles.
Donc vous voyez que quelque part il y a quelque part tout esprit intelligent se pose des questions. On en a parlé, ça fait déjà plus de 3 ans, 4 ans. Là, on ne parlait pas des sorties officielles. Et c'était sur base de quoi? On a formé même un gouvernement autour de cette plateforme. C'était sur base de quoi? S'il n'y avait pas de sorties officielles. Donc moi, je pense que c'est juste comme on dit, Ngana Kobengango... laissez-moi terminer, j'en viens. Mais c'est tout à fait normal. Je vais en venir. Allez-y. J'ai l'impression qu'on se lance déjà dans... Na campagne électorale précoce. C'est une campagne électorale précoce. C'est lancé déjà alors que on n'a pas encore donné le go pour tout le monde. Parlons quand même de la mobilisation. Voilà. Mais nous disons que cette plateforme, en tant qu'une plateforme politique, a les droits. A les droits. Il y a qu'à utiliser les moyens. Non, il y a l'État. Là où ça fâche, c'est quoi? C'est que on apprend que ma méthode yo ba combatta qui hier, qui consistait à recourir aux moyens de l'État pour mobiliser la population afin qu'elle va soutenir le régime, continue à vivre de la plus belle façon. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas comprendre que un mouvement fait privé parce que Union sacrée des affaires privées, ça ne concerne pas tous les Congolais, puissent recourir aux moyens de l'État pour mobiliser les Congolais. C'est regrettable. C'est très regrettable dans la mesure où ça va être difficile de savoir. Que moi, si on a lingi yo po na bo moto na yo po nenga monde lo a sepeli na yo toi lingi yo po zui mbongo tien na table. Ça devient une personne telemela ki makambo akoko ko ya suno makambo. Mais vous en faites pas, c'est comme ça, nous sommes en train de regretter. Nous sommes en train de les regretter. Les images vont circuler, vous allez les voir. C'est regrettable. Ils sont en droit de to koloba ya comme mobiliser bato, mais les mobiliser en proposant en retour les moyens financiers. Et ça, c'est cela où ça dérange. Hein? Ceux qui doivent te comparer, ben, on a failli, poupa. Oyo, à ça là qu'il est trop plein, sans moyen de l'État, aux populations, payant. Population, et puis payant. Il y a au fait l'été. Et ça qui est payant, hein? Ben, tu vas qu'on fout un bon, on peut pas talailler. Je pense qu'on ne peut pas, se comparer na failli. Je voudrais dire en d'autres termes, c'est quoi? Je voudrais dire quoi en d'autres termes? Je vais dire tout simplement, mobiliser, ce n'est pas mauvais. Mais mobiliser en utilisant les appâts, c'est là où les problèmes commencent. Parce que vous vous trompez vous-même. Vous aurez l'impression que les gens sont derrière vous. Alors qu'en réalité, les gens sont venus parce que vous leur avez proposé un appât. Nous l'avons vu avec le FCC. Est-ce que nous l'avons vu avec le FCC? Plein on a stade. Est-ce que Zalité que expression y a bah congolais bah qui moi. Ceux qui Zaki expression. Ceux qui Zaki expression. Est-ce que ça peut être s'il vous plaît? Est-ce que ça peut être que indicateur ou tout comme on a dit. Ce n'est pas un indicateur. Si c'est un indicateur, c'est un indicateur biaisé. Biaisé dans la mesure où facteur mon solo et cotine à Kati. Ça reste à vérifier. Hein? Et si ça aurait été une mobilisation spontanée. Tu connais ce que c'est une mobilisation spontanée. Toi, comme on en condo, tu sais qu'il dit. À l'époque, il siffle la tongo. Qui ça sabe Congo est bougé. Tout le monde qui n'a kabila tango à koya. Après ça qui kanya kata. Parce qu'il y a un peu de l'eau. Il y a un peu yo, yebi, tu as mis ça, il va brouiller, circuler. Tout ça, tout le temps, confirmer, tout le temps, infirmer. Mais tout le temps, on se rendre compte que. La mobilisation n'est pas spontanée. La mobilisation, comme on dit, est soumise à une certaine contrainte. Il y a un appât qui a fait qu'on puisse attirer. Mais écoutez. Non, mais tu en as posé au mot, bon, nous allons continuer. Ce qui est plus important, c'est de savoir que, en dépit de cette mobilisation, il faut se dire une chose que
c'est difficile de mesurer, de palper les degrés d'amour de ces personnes qui sont venues vous rendre, vous accompagner, parce que quelque part, comme on dit, moi le koto et les kanaki kuna. Moi j'ai même vu un groupe en venant, babanda ko bunda. Alors, une question, au Italie, penda mingi, ba Congolais, ba Kinois, ba Congolais, ba Nabiso. Lélo sorti officiel à Union Sacrée, tout sentir ta page, tout sentir mouton, ça veut dire Union Sacrée, Lélo et Bizo Bima officiellement. Na au Italie, situation socio-économico-sécuritaire, politique. Qu'est-ce qui va être amélioré à wa Union Sacrée, Lélo et Bimi officiellement? Des comprades, vraiment tu as posé une très belle question. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait une mobilisation comme ça, n'est-ce pas, pour dénoncer la situation de l'insécurité à l'Est. Je m'attendais à ce qu'il y ait une mobilisation comme ça, pour dénoncer la vie chère. Je m'attendais à ce qu'il y ait une mobilisation comme ça, pendant que tu es là-bas, propos à Gagan, n'est-ce pas, par exemple, mobilisation comme ça pour dire que tout ça n'a couranté, tout ça n'a pas maïté. J'aurais applaudi. Mais une mobilisation pour quelle finalité? C'est ça la grande question. Il y a un gouvernement qui existe, qui a du mal à implémenter le programme Naye. Un programme à peu près de 16 piliers, on ne sait pas évaluer aujourd'hui. Le Parlement qui est là n'est pas en mesure d'interpeller le Premier ministre pour qu'il y ait un zong anano. Aïe Bissabiso, depuis qu'il a été investi, a été créé sur le programme, il y a 16 piliers. Quel est son niveau de réalisation à ces jours? Voyez-vous des questions? Oyo, ils ont préoccupé les Congolais, Nyonso, de gauche ou de droite. Maintenant, nous sommes dans les divers. Nous sommes dans la distraction. Pendant que de l'autre côté, l'intégrité de la République est menacée. N'est-ce pas? Il est vrai que Togo Pegisabatoba se réunir. Mais bon, on se réunit dans Ngonganini. Et dans la condition Nini, où il y a un traversé. Très bien. Pendant qu'on fait une sortie officielle ici, encore que la sortie officielle reste. C'est qu'un terme, parce que c'est une plateforme qui existe depuis belle lurette. N'est-ce pas? À l'Est, les gens meurent. Il n'y a pas eu de mobilisation. Il n'y a jamais eu de mobilisation. N'est-ce pas? Donc ça doit interpeller tout Congolais qui veut, qui aime son pays, se pose des questions. Il dit, mais finalement, à quoi nous jouons? Et ça, théâtre, qu'on jouait pendant qu'il y a des victimes sur le terrain. Très bien. Pendant qu'il y a des victimes sur le terrain, il y a même un député qui a tuté. Il a dit, ça ne sert à rien. Après 2 semaines, automatiquement, il faut reporter... Il faut proroger l'état de siège automatiquement sans débat. Il y a un député qui se pose des questions. Comment est-ce que ça, la Mabongo? Voilà. Voilà, Toyoki Ango. Mais aussi une question de curiosité. Ma professeur, Bazar Olanda Bisso, ma fonctionnaire, Bazar Olanda Bisso, Baoyo Bazouina, Mbongo, Nabangote, Tokomoko, 2 mois, 3 mois, Toyoki, même l'intérieur. Il y a certains enseignants qui commencent déjà à faire des marches. C'est qu'il y a une très bonne chose, en tout cas la gratuité, tout le monde a salué. Mais comment expliquer, très cher économiste, Nani Panapona économiste, c'est une question que nous allons poser professeur Godin Poy en économie, bah, économiste Nyon Swaza Rolandabiso, ils peuvent prendre cette question et essayer de nous envoyer les réponses et Kosungabiso. Comment vous, en tant qu'économiste, on nous parle d'un budget de 16 milliards, prévision budgétaire, il y a 16 milliards, ils allaient déjà les colos, ils allaient le Komora Malamou. Mais sur terrain, on nous parle des impayements presque dans le secteur. Comment expliquer? Un paiement quotidien dans l'institution, le rôle de l'Assemblée nationale, bien que nous avons l'oubli à Ngote, bien que nous avons l'oubli à Ngote, bien que nous avons l'oubli à Ngote, mais nous avons l'oubli à Ngote, professeur d'université. Mais comment expliquer les 16 milliards, les augmentations, mais sur terrain, les augmentations? C'est ça la contradiction même. On ne peut pas comprendre que. C'est vrai, hein, tout ça, non. Dans les prévisions, mais après 3 mois, après tout un trimestre d'exercice, on peut déjà se faire une idée sur la tendance. Il y a réalisation à Bichirona. Après 3 mois déjà, on s'est rendu compte que par rapport aux prévisions, les recettes collectées
ne les ont pas atteintes. On a prévu environ 1,7 milliard de dollars pour le premier trimestre, d'après les chiffres donnés par le ministère des Finances. Nous n'avons atteint qu'1,6 milliard. Donc, si nous pouvons extrapoler, il est vrai que la recette publique ne suit pas une tendance linéaire. N'est-ce pas? Ça fluctue. Ça va dans le sens de la hausse tout comme de la baisse. De la baisse. Donc, il y a des pics et puis il y a des planchers, comme on dit. Alors, déjà, partant de cela, on peut faire une moyenne. Nous pouvons faire une moyenne. Okay. Si nous avons tablé sur 1,7 milliard et qu'au premier trimestre, nous n'avons réalisé qu'à 1,6 milliard. Si nous prenons une moyenne de 1,7 milliard par trimestre, il y a 4 trimestres dans une année pour faire 12 mois. Si vous faites 1,7 milliard multiplié par 4, vous n'atteignez pas 10 milliards. Même si on te paye 2 attendez, millions, 2 même milliards, 2 milliards. Dans 4 trimestres, ça va nous faire 8 millions. Vous n'arrivez pas. À 16 milliards, à cela. Si nous devons ajouter les appuis budgétaires, il y a des institutions en Bretton Woods, d'ailleurs, l'expérience a démontré que ces institutions n'appuient pas au-delà de 1 milliard. Donc, le maximum qu'on puisse attendre de ces institutions, c'est 1 milliard. Donc, nous nous rendons compte que, sauf évolution contraire de la situation, alors que nous constatons que cela n'est pas le cas, ce budget dépassera difficilement 8 milliards. N'est-ce pas? Pourquoi nous disons cela? Parce que les prévisions ont été faites essentiellement sur les matières premières. La hausse des cours des matières premières. Or, à ce moment ici, bah, matières premières, on a Ezako Kita. Vous et moi savons que matière première, on a pris dans le bichon de déterminer en côté. Bah, déterminer au gré et au caprice de leurs économies. Donc, on a fait des prévisions sur des variables que nous ne contrôlons pas. On est allé jusqu'à 16 milliards. Mais on se rend compte que de plus en plus, il y a risque qu'on n'atteigne même pas 10 milliards. Et il n'y a pas longtemps, on vient de suivre un communiqué de la Direction générale des impôts qui constate une faible mobilisation déjà. Malgré la présence de l'IGF, malgré la présence... Mais non, mais l'IGF va faire quoi? L'IGF vient constater... Lorsque l'état de l'économie, vous êtes dans une économie dont l'état est connu, il y a eu combien de créations d'entreprises? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Il y a eu combien de Congolais embauchés pour dire que, en termes de réduction en chômage, nous sommes passés des taux de 10, par exemple, à 2. Parce que qui contribue? C'est les Congolais. Ceux qui sont Congolais, on a besoin de nous salater. On contribue à nous. Alors, comment voulez-vous que assiette fiscale et Coca-Cola? Donc, vous voyez que sur ce point-là, déjà, il y a des soucis. Et c'est comme ça, nous disons, ayant tablé essentiellement, disons à 60%, sur les matières premières dont nous ne contrôlons pas les prix. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est fait à souhait par ces puissances-là. Une économie qui vit à 90% des biens d'importation. N'est-ce pas? Une économie qui vit à 90% des biens d'importation est essentiellement dans le Tolobaka exposée au caprice et à un choc extérieur. Donc, prix sur les kitikouda directement sur tous. Et c'est le cas actuellement. Est-ce que demain ces prix vont augmenter? C'est ça la grande question. Et si ces prix n'augmentaient pas? Voilà. Voyez-vous, on reste optimiste donc, en tout cas. Moi, je reste réaliste. Je reste réaliste. L'argentier de la République. Voilà, moi, je pense qu'il est dans sa, il est dans sa peau de politique. Il ne peut que encourager les gens. Il ne peut que dire que ça peut évoluer. Mais nous qui sommes observateurs et initiés, rendons compte que telles que les tendances sont en train d'évoluer, on risque peut-être de même de régresser par rapport
à l'année passée. Oh. En termes, oui, l'année passée, nous étions à 12 milliards. Encore dans les 12 milliards, je crois, il y avait, comme on dit, les appuis budgétaires d'environ 1 milliard et demi. Vous comprenez? Très bien. En fonds propres, nous tournions autour de 10 milliards. Très bien. Et la logique, normalement, je pense que si nous étions prudents, nous devrions nous arrêter à ces chiffres-là dans un premier temps. Quitte à faire des bonus par la suite, s'il y a des... Oui, je donne un exemple simple. Les prévisions budgétaires de l'exercice précédent ont tourné autour des 10 milliards. D'accord? Et quand est venu, ou quand sont venues les réalisations, on a fait 12 milliards. Vous voyez? Donc, on a fait des économies, malheureusement, qui ont été dilapidées de la manière dont on connaît. On attend d'ailleurs qu'il y ait convocation du ministre des Finances pour venir expliquer comment, sans un collectif budgétaire, on a pu dépenser les économies réalisées. Ça, c'est notre problème. Ouf, voilà. Bref, la mauvaise gouvernance est la cause principale de la situation que nous traversons. Même si ces recettes sont ce qu'elles sont, je pense qu'il y a des besoins prioritaires. Au-delà de la sécurité, comme on dit, le gouvernement a l'obligation de verser les salaires aux différentes institutions parce que je voudrais ici rappeler que le salaire a un caractère alimentaire et sacré. Très bien. Voilà, on va rapidement puisque on est entré vraiment de plein pied en économie. Bon, moi, je n'ai pas économiste à remonter ma vision. Mais on va prendre le deuxième dossier rapidement parce qu'il nous reste pratiquement 10 minutes pour finir. Le deuxième dossier, c'est vraiment essentiel pour Namukona Lelo. Et Zali était démission. Il y a commandant, il y a force, il y a EAC, Jeff Niaga. Oyo a pessi moi ba raison et belé, notamment a accusé la République démocratique du Congo. Alobi, d'abord, Boyo Kanezalité, tout autour, il y a mandat, puis il y a mission, il y a la force Oyo. Et puis, Alobi, certaines conditions, notamment un paiement, il y a ba personnalité civile, ba Kosala Mosala. Donc, non, bref, a fondé RDC, a zo respecté, te, Oyo Sengela Gibra, Boyo Kanaki, pour que. Basola Moussala, malam. Au moment de démission, oh yo n'engue quoi, et quoi malam, quoi ma belle. Entre temps, toi Lucas déjà n'engue nini. Toi bon, ça n'a pas tant ouais. C'est ce que peut-on silana, ce que peut-on sala nini. Batter au pays d'ali récupérer pas une bango. Batinga miwana, bali koti kate. Ce que mituna ba congolais. Na eh ya c'est au lissusu. Oh ça sous le camusu et bagisami. Toi ok n'engue tiron wapi. Toi suka n'engue mokoni. Lecture na yo. Démission de Koroneza, un arbre qui cache la forêt. Ah bon? Ah oui. C'est un Eza Makambo Ebele. La preuve en est qu'avant de démissionner, il devrait y avoir une réunion d'évaluation. Il y a ma force ou en Est. Une réunion qui a été reportée sine die. Et dans la foulée, on apprend la démission du commandant général et à ma force. Chef Niaga. Alors, toute personne qui réfléchit se rend compte que. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous l'avons toujours dit que ces forces-là ne sont pas venues pour instaurer la paix à l'Est. Mandat Oyabango, c'est un mandat à RDCT. RDC nous a dit ici, à travers le ministre attitré, qu'ils sont venus pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo afin que les M23 soient boutés hors d'état de nuire. De nuire. Mais Bango Baye va tenir le discours Mososo. Ils disent qu'ils sont venus, non pas pour appuyer nos forces, mais bien au contraire, pour s'interposer entre nous et les rebelles. Mais comment peut-on s'interposer entre un gouvernement légitime et légal et le rebelle? Alors là, on ne comprend plus rien. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sur un même pied d'égalité un gouvernement légitime et un mouvement de rébellion. Vous avez déjà vu ça où? Et on constate une certaine arrogance dans le chef. Il y a un pays où il y a un pays censé aider la République démocratique du Congo à recouvrer Penaye. Ici, je voudrais citer le ministre des Affaires étrangères, il y a Kenya, qui dit sans embâche, sans atermoiement, que Toko Longwana RDCT tant que
gouvernement congolais a consolé na ba rebelle té. Tout monde yango wapi. Tout monde yango na nouté. Alors, tout ceci au lieu de tomber dans l'émotion, parce que nous parfois on est trop émotionnel là, hein? Ne tombons pas dans l'émotion. Faut en tirer les conséquences. Actionner l'armée, donner à l'armée les moyens matériels, militaires, financiers pour qu'ils en finissent avec ces mouvements-là. Ceux qui parlent longa biso, longa biso. Ceux qui parlent longa bango, tout longa bango, c'est clair. Ça ne sert à rien de continuer à tergiverser. Nous perdons en termes de temps. Pendant ces temps-là, nos frères sont en train de mourir chaque jour et ils sont en train de peaufiner, de mettre en place des stratégies pour que demain, nous serons surpris d'apprendre que, étant donné que la situation a perduré et que la population de l'autre côté ne se retrouve plus, ne se reconnaît plus dans le gouvernement à Kinshasa, nous sollicitons ou nous demandons ou nous exigeons un référendum afin que parti où on a payé et comment et s'autodéterminer. Voilà le piège et voilà la crainte. Vous comprenez? Et pendant ce temps-là, les gens sont en train de jubiler au stade. Voilà. Non, Brad, arrête. Je pense que, excusez-moi, il y a un degré d'inconscience de notre part. Il y a un degré d'inconscience qui fait qu'aujourd'hui, nous risquons de perdre ce pays à cause des manœuvres, à cause des politiciens en mal de positionnement qui ne voient que les élections demain alors que la nation est en danger. Très bien. La nation est en danger. Je voudrais terminer par là en disant, si aujourd'hui, parce qu'avec les quiproquos qui règnent, avec la confusion qui règne autour de cette force-là, il y a reprise des combats à l'Est. N'est-ce pas? Les fameuses élections seront organisées comment? Le énième mandat que nous cherchons, nous allons l'avoir comment? Voyez-vous? C'est pour ça qu'il faut en appeler, il faut plus de conscience. On doit arrêter de faire la politique du type digestif. Parce que nous avons un nous prêt, il y a quelqu'un de partout, pour vivre qu'il va proposer à moi l'IPA. Voilà. Et ça, comme ça, la paix, moi, pas si, je sentir que le banan, mon thème, je suis un peu bimba, je suis un République démocratique du Congo. Nous pouvons voir l'analyse. Vous allez peut-être la lecture. Nous avons sous le lot qui est. Donc on va peindre que JP Moussenga qui annonce déjà sa présence à rejoindre l'analyse au pays pour que tu capes lecture naé par rapport. Il y a pas sujet car mi balé tout ça dans le lot. Sortie officielle et union sacrée. Peut démission. Il y a commandant Jeff Niaga. Vous allez Kenyan commandant. Il y a pas force à EAC na République démocratique du Congo. Merci. Maintenant nous mingi honorable nous rendons l'invitation à Monsieur. Merci beaucoup Brad. Voilà, matondo mingi pe na bino ba bolanda ki masolo ya mboka e komi na suka tokutani bongo na numéro mosusu o bokoyo ka pe ba son de cloche mosusu. Merci l'équipe technique o bazaki na biso Simon Kambeya pe Jérémy Malelo. Kimia o mabota na bino.